Quoi? Encore à moitié groggy, j'ouvris péniblement la porte du placard dans lequel j'étais enfermée et m'effondrai sur le sol. Je me cognai la tête par terre sans le vouloir. Je vis des étincelles au fond de mes yeux. Ah, ça fait mal! Je parvins cependant, grâce au choc, à recouvrir mes esprits. Quoi? Où est-ce que je suis? Je me frottais le front en me disant que j'allais avoir une belle bosse, tout en regardant autour de moi. Une salle de classe? Oui, c'était bien une salle de classe que je n'avais jamais vue auparavant. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fiche dans un endroit pareil? Ah, j'ai compris, c'est un rêve. Ok, je vais me pincer la joue alors. Je me pinçais la joue, au cas où. Mais je ne fis que rajouter une douleur de plus à mon visage déjà bien amoché. Voyons voir. Oui, restons calmes et réfléchissons. Je mis en marche mes neurones pour essayer de me souvenir de quelque chose. Oui, j'ai bien dit essayer. Pas moyen d'y arriver. C'est à ce moment que le placard voisin se mit lui aussi à trembler bruyamment. Je me tournai vers lui pour constater que quelqu'un l'ouvrait de l'intérieur. Et il en sortit un garçon. Oui, un garçon, vêtu d'un uniforme, sans doute un lycéen, comme moi. Visiblement pas encore sorti de sa torpeur, il leva lentement la tête vers moi. N'exagère pas non plus! J'ai l'air d'un fantôme, c'est ça? Comment? Ah, pardon. Moi non plus, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je te signale. Il faut savoir rester calme dans l'affolement, comme dans le gymnopédiste de Satie. C'est une mélodie calme et sereine. Elle va nous permettre de retrouver notre sang-froid. Bonjour! Eh bien, bonjour! Ah! Des ours en peluche? Non, ce sont des monstres. Pour le coup, tu peux paniquer sans retenue. C'est pas pour toi qu'elle a dit ça, je pense. Un monstre, c'est pas sympa. C'est celui qui dit qu'il est d'abord. Mais pour des monstres, on est plutôt mignon, non? Tout à fait d'accord. Bien content d'être né comme ça. C'est ça, être un gagnant. Quoi? Pourquoi ils parlent d'abord? Ce ne sont pas de simples peluches? Nous ne sommes pas les Monocoomers, nous sommes des peluches! Monokid, je crois que tu t'emmêles les pinceaux. Nous ne pelouchons pas des hommes, nous sommes les Monocoomers! Ah là là, c'est de pire en pire. Comment? Les Monocoomers? Ah! Tu nous connais? Bien sûr que non! Des peluches qui parlent et qui bougent toutes seules! À ces mots, ces choses qui disaient s'appeler Monocoomers se regardèrent entre elles. Youpi! C'est tout bon! Rassuré, j'ai eu peur une seconde. En vrai, qu'est-ce que vous êtes? Je ne comprends rien à rien. Bien, si tu insistes, on va répondre à tes questions, une par une. Sacré Monotaro, on peut compter sur toi. On dirait un sixième face à un élève de CM2. Ouais, il faudra pas s'attendre à grand-chose. Et donc, question? Oui, plein. Pour commencer, où est-ce qu'on est? On dirait une école. Vous êtes ici dans l'Académie des prodiges condamnés. L'Académie des prodiges condamnés? Qu'est-ce que c'est que cette école? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un peu normal. C'est un lycée qui a été spécialement bâti pour vous 16. Pour nous 16? Ouais, cette école a 16 inscrits. Tous des lycéens ultimes. Quoi? Des lycéens ultimes? Tu en as déjà entendu parler, j'imagine, non? C'est une bourse scolaire mise en place par le gouvernement, le système des surdoués. Qui dit surdoué, dit évidemment élève avec des talents bien spécifiques. Pour résumer, ce système a été créé par le pays pour favoriser l'éducation des enfants doués. Et ces derniers bénéficient ainsi de tout un tas de privilèges. Ils sont exemptés de frais scolaires et ont également le droit de vote et d'éligibilité. Et je pense aussi qu'ils touchent une bourse. Les élèves sélectionnés par ce système sont appelés les lycéens ultimes. Hell yeah! Et devenir un lycéen ultime, c'est le rêve de tous les élèves du pays! Je suis parfaitement au courant de tout ça. J'en fais moi-même partie. Bien. Tâche de ne pas l'oublier, alors. Oui,
Il ne manquerait plus que tu oublies ton propre don de lycéenne ultime. Comment ça? L'oublier? Ça suffit maintenant! Assez perdu de temps! Allez, on commence! C'est parti! On commence quoi? Ça me semble évident! L'inspection de cette école! Et n'oubliez pas aussi d'aller vous présenter aux autres lycéens ultimes, en attendant d'avoir affaire à lui. Ouais, trop la gaule! Sur ce... Arruche! Ah, ils sont partis! J'avais encore plein de questions! Nous ne sommes pas en train de rêver. Si seulement ça pouvait être le cas. Nous devons faire quelque chose. Commençons par trouver la sortie. Il y aurait 16 lycéens ultimes dans cette école. Ce qui voudrait dire que lui aussi... Dis, tu es toi aussi un lycéen ultime, n'est-ce pas? On se présente? Oui, tu as raison. Je m'appelle Shuichi Sayara. Je suis le détective ultime. Comment? Un détective? Ça alors? Oui, enfin, c'est vite dit. Je n'ai pour le moment aucune expérience. J'ai juste eu la chance de résoudre une affaire par hasard et depuis on m'appelle comme ça. Je suis sûre que c'est bien plus compliqué que ça. Tu n'as pas à faire le modeste. Moi, c'est Kaede Akamatsu. Je suis la pianiste ultime. Enchantée. La pianiste ultime. Oui, enfin. Mes amis me surnomment surtout la folle du piano. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais arrêté de jouer du piano. Au point d'en oublier de dormir ou de manger. Je jouais parfois des journées entières. J'ai par la suite eu l'occasion de remporter de nombreux grands concours. C'est comme ça que tu as reçu ce titre de pianiste ultime? Vraiment impressionnant. Non, je n'ai surtout que ça pour moi. Mais c'est la première fois que je rencontre un autre lycéen ultime. C'est normal, nous sommes tous éparpillés dans le pays. Pas simple de se croiser. Oui, mais nous sommes apparemment 16 élèves ici, c'est ça? Je me demande ce que nous faisons ici. Nous avons été enlevés? Un kidnapping de lycéen ultime effectué par une organisation criminelle? Figure-toi qu'en fait, je ne me souviens absolument de rien. Comment? Tu ne te souviens de rien? J'essaie de rassembler mes souvenirs depuis tout à l'heure, mais sans succès. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle j'ai été amené dans un endroit pareil. Je me suis juste réveillé dans ce placard. Aucun souvenir du moindre enlèvement. Comme si quelqu'un avait effacé cette partie précise de ma mémoire. Exactement comme moi. Quoi? Moi non plus, je ne me souviens de rien. Impossible de me rappeler comment je suis arrivé ici. Ah! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, merci. Juste un soudain mal de crâne. Mais comment se fait-il que nous n'arrivions pas à nous souvenir de quoi que ce soit? Ne t'en fais pas, ce n'est sans doute pas grave. Si tu as peur de paniquer, pense à la sonatine de Ravel. Tu parles d'un morceau de piano? Excuse-moi, je ne m'y connais pas trop. Ah, quel dommage. Je te ferai écouter ça quand nous sortirons d'ici alors. Mais commençons par trouver la sortie. Ou au moins d'autres lycéens ultimes. Nous aviserons ensuite avec eux. Il y en aura bien un qui sera au courant de quelque chose. Oui, tu as raison. Toute cette verdure dans ces couloirs, l'air est lourd, l'atmosphère de cet endroit est vraiment pesante. Nous sommes pourtant bien dans une école, mais quel genre d'école? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais bien qu'il y avait quelque chose dans la poche de mon uniforme. Regarde, un ordinateur portable? Non, une tablette miniature. Ah, j'en ai peut-être une aussi alors. Ça expliquerait pourquoi mon sac fait si lourd. Trouvez. Il y a écrit « Monopad » dessus. Quand est-ce que j'ai récupéré ça? Mon nom est apparu sur l'écran quand je l'ai allumé. Sans doute une sorte de carnet. Je ne sais pas à quoi elle va nous servir, mais je ne vois pas l'utilité de la jeter. Je vais la garder en attendant. Oui, moi aussi.
C'est la classe de musique ici, non? C'est fermé. Alors que c'était la seule pièce qui m'intéressait. Bonjour! Bonjour tout le monde! Ah! Encore eux! Où penses-tu donc te trouver, jante demoiselle? Ha! Comme il se la joue! C'est juste un laboratoire de recherche de lycéens ultimes, non? Alors, douille! Pourquoi tu le dis? Et moi qui voulais conserver mon effet. Pardon! Comment? Un laboratoire de recherche pour lycéens ultimes? On vous a réservé une pièce spéciale à chacun pour que vous puissiez bien vous détendre. Ici, c'est celle de la pianiste ultime, mais chaque lycéen ultime possède la sienne. Par contre, elles sont toutes cachées. D'ailleurs, la raison pour laquelle la tienne est fermée à clé... Oui? C'est juste parce qu'on n'a pas eu le temps de la ranger. Pardon, on se dépêche. Alors, attends, on emporte le vent. Mais non, c'est autant on emporte le vent. Et ça ne veut rien dire en plus. Tu es vraiment trop bête. C'est toi qui te fais rire? Tu veux que je t'en fasse baver comme avec Monodame? Abuche! Cette pièce était donc bien une classe de musique. Un laboratoire de recherche pour lycéens ultimes. Il y aurait donc d'autres pièces identiques un peu partout dans ce bâtiment? Bonne question. Et moi qui pensais que je pourrais jouer du piano dans cette salle de musique. J'aurais tout le temps d'en faire une fois sortie d'ici. Toi aussi, tu es une lycéenne ultime? Je peux te parler? Tu ne m'entends pas? Bien. Youhou! Bonjour! Quoi? Toujours pas? C'est peut-être un mannequin? Je ne pense pas, non. Qui sait? N'oublie pas cette espèce d'ours en peluche qu'on a vu tout à l'heure. Je l'ai touché la joue du doigt en parlant. C'était tout mou. Ça ne marche toujours pas. J'en étais sûre. Mais quand même, touche-la, toi aussi, pour voir. On y croirait. Non, c'est bon. Allez, ne te fais pas prier. Je lui attrapais la main et le forçais à lui toucher aussi la joue. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne me tripoter les deux joues en même temps. Ça n'était donc pas un mannequin, évidemment. Si tu le savais, pourquoi tu m'as forcé à la toucher? Qu'est-ce que tu veux? Elle ne réagissait pas. Ne vous fâchez pas, j'étais juste en train de réfléchir. Je pensais qu'en vous ignorant, vous me laisseriez tranquille au bout d'un moment. Tu as donc bien fait exprès de nous ignorer. Je n'avais pas envie de discuter, c'est tout. Mais c'est bon, je peux parler avec vous maintenant, si vous voulez. Bien, ne perdons pas de temps. Vous voulez qu'on discute de quoi? Mon épisode préféré de Kideretsu? Le 53, avec Mio qui raconte la bonne aventure. Avant ça, tu t'appelles comment? Ah, mon nom? Je suis Tsumugi Shirogane, la cosplayeuse ultime. Tu es une cosplayeuse? Ça t'étonne? Je sais, je suis quelqu'un de plutôt réservé. Mais c'est vrai que tu sembles dégager un bon paquet de phéromones autour de toi. Sans doute parce que tu es habitué au regard libidineux de tes fans. Kaede, tu ne serais pas une vieille perverse en fait? Pour dire vrai, je n'aime pas tellement qu'on me regarde. J'adore confectionner des costumes d'anime, mais pas forcément les mettre. Et puis, il y a tellement de cosplayers qui ne font ça que pour se faire remarquer. Je n'ai pas envie qu'on me confonde avec ce genre de personne. J'aime ce que je fais, moi. Tu n'as pas l'air de plaisanter avec le sujet. Évidemment, c'est aussi pour en faire profiter mon entourage que je crée ces costumes. J'ai même trouvé un sponsor qui me permet de me procurer les meilleurs tissus. Ah oui? Un sponsor? Ça alors, voilà ce que c'est que d'être une cosplayeuse ultime. Mais mes shows ne rassemblent pas plus de monde que l'avènement du premier panda au Japon. Hein? Mais ça doit être une véritable marée humaine alors! Tu es célèbre à ce point? Excuse-moi, j'ai moi aussi une question à te poser, tu permets? Tu viens de nous dire que tu étais en train de réfléchir. Mais tu réfléchissais à quoi? Ah oui, bonne question. Bien joué, Shuichi. Ah, à propos de ça, cette statue de dragon, là-bas... Vous ne trouvez pas qu'on dirait qu'elle flotte? C'est vraiment bizarre. Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est étrange. Nous sommes dans une école, non?
tant de choses qui ne sont pas normales ici. Ce bâtiment est envahi par la verdure et impossible d'en trouver la sortie. De plus, j'ai bien l'impression que nous sommes les seules personnes présentes ici. Ça commence vraiment à m'inquiéter. Va-t-on réussir à sortir d'ici sain et sauf? Qui a aidé? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je me disais juste que sa petite mouinguette était toute sexy. C'est tout. Encore avec ça? Je plaisante. Pas besoin de s'en faire, ne vous inquiétez pas. On est un peu perdu pour le moment, mais on en rira quand tout sera fini. Quel optimisme! Généralement, on me dit plutôt « quelle insouciance !» Mais à quoi ça sert de se faire du souci pour rien? Gardons le moral pour le moment. Oui, tu as sans doute raison. À quoi bon déprimer pour rien? Parfaitement. Dépêchons-nous de sortir d'ici tous ensemble. Salut, vous aussi vous avez été enlevé? Vous n'avez pas l'air blessé, tant mieux. Même si ça ne résout rien notre situation. Tu as malheureusement raison. Mais sinon, vous vous souvenez comment vous êtes arrivé ici? Si tu demandes ça, c'est que tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas? Et vous êtes donc dans le même cas. Vous n'avez aucun souvenir de votre venue ici. Cela signifie que nous sommes donc tous dans la même situation. Comment? Tous? Oui. J'ai posé la même question aux autres, mais ils m'ont tous répondu la même chose. Les autres aussi, donc. J'ai bien peur que nous ayons tous perdu la mémoire. Mais c'est incroyable! Tous amnésiques, comme par hasard? Nous sommes sans doute tous mêlés à une affaire, elle aussi, incroyable. Comment ça? Une seconde. Amnésique? Tu exagères. Nous sommes sûrement juste sous le choc. Non, l'hypnose de groupe ou le lavage de cerveau, ça existe. Dans tous les cas, si on pouvait retrouver rapidement la mémoire... Je n'ai pas envie de me retrouver mise à l'écart dès le début. Comment ça, mise à l'écart? Ah oui, j'ai oublié comment j'étais arrivé ici, mais pas seulement ça. Je n'ai plus aucune idée de mon don. Comment? Tu parles d'une blague? Je suis censé moi aussi être un lycéen ultime. Mais je ne me souviens de rien du tout. Tu es sérieux? Bien sûr, mais je ne t'oblige pas à me croire. Ah sinon, je ne me suis pas encore présenté, je crois. N'est-ce pas? J'ai vraiment des troubles de la mémoire, moi. Non, pas encore. Je m'appelle Rantaro Amami. Pour le moment, impossible de me souvenir de mon titre de lycéen ultime. Mais pas besoin d'avoir peur de moi. Enchanté. Il ne se souvient même pas de son don, mais ça n'a pas l'air de le tracasser. Tu trouves ça étrange? Que ça ne me fasse rien du tout? Comment? Mais moi, ça m'excite encore plus. Je me demande quel est mon don caché. J'espère qu'on s'entendra bien. On pourrait bien rester enfermés ici encore un moment. Ne dis pas ça! Nous allons sortir d'ici, et vite fait. Tu penses? Oui, pourquoi? Sans raison particulière. Je me posais juste la question. Ne prête pas attention à ce que je dis. Il m'a fait bonne impression au début, mais à discuter un peu avec lui, impossible de deviner ce qu'il pense. Un entrepôt? Il est vraiment immense. Pas vrai, ça! Où est-ce que c'est, à la fin? Ah, qui peut bien être cette fille en train de retourner l'étagère de médicaments? Qu'est-ce que tu cherches? Qui t'a autorisé à me parler, le boudin? Le boudin? Alors que c'est la première fois que je lui adresse la parole? Excuse-nous de te déranger, mais ce n'est pas une raison pour lui parler comme ça. Toi, le petit pervers, t'as maté mes seins, hein? Quoi? En même temps, c'est pas tous les jours que tu peux en admirer d'aussi gros, hein? Allez, avoue que tu aimerais bien les voir. Ah, c'est juste mon regard qui s'est posé par inadvertance dessus, c'est tout. Toi, t'es du genre à tripoter les fesses des filles par inadvertance, hein? Espèce d'obsédé! Je m'en suis aperçue tout de suite en te voyant. Cette casquette, c'est pour cacher tes yeux de maniaque sexuel, hein? Et ce pantalon,
pour que personne ne voit ce que tu dissimules entre les jambes? Pour le pantalon, c'est plutôt normal, non? Tous ceux qui portent des casquettes sont des détraqués, moi je te le dis. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi! J'ai tout à fait le droit de porter une casquette si j'en ai envie! Quoi? Tu oses te rebeller contre moi? Excuse-toi de suite auprès de la planète tout entière! Le choc que tu viens de me faire subir est de niveau interplanétaire, au moins! Excuse-moi, mais tu peux nous dire qui tu es? Quoi? T'es sérieuse là? Tu sais pas qui je suis? C'est moi, la femme fatale aux cheveux dorés et à la poitrine voluptueuse, connue de tous! Miyu Hiruma, l'inventrice ultime! Ah oui? Jamais entendu parler. Qu'est-ce que tu as inventé? Des ustensiles qui permettent d'utiliser un clavier ou de lire des mangas en dormant. Ah, et aussi avec lesquels tu peux manger tes repas en dormant. D'accord, toujours en dormant donc. Le thème éternel de toutes mes inventions. Comment améliorer sa vie en dormant? Pour passer le temps, j'ai aussi fabriqué des lentilles faisant office de gouttes pour les yeux. Quoi? C'est toi qui as inventé ça? Toutes mes amies en utilisent. Et alors? Vraiment pas de quoi sauter au plafond? Aucune utilité pendant que tu dors. Tu parles d'une invention ratée. Une fois le brevet revendu sur le marché, c'est terminé, plus rien à faire. Quel dommage. Je suis sûre que cette invention est la plus utile de toutes. Mais sinon, qu'est-ce que tu cherches? Hein? T'as des problèmes de vue? C'est rempli de médicaments ici, je te signale. Des médicaments? Tu t'es fait mal? Tu ne te sens pas bien, peut-être? Mais non! C'est juste pour m'empêcher de somnifère et tout oublier. Ah, ne plus penser à rien. À rien du tout. Quoi? Mais tu es folle! Tu veux fuir la réalité en te droguant, c'est ça? Mais je t'ai pas demandé de me faire la morale! De toute façon, il n'y a rien de tout ça ici! Alors, pardonne-moi et ne te fâche pas comme ça. On dit souvent que la frontière entre la folie et le génie est mince, mais là... Mais pourquoi Shuichi a réagi comme ça? Il s'est fâché dès qu'on a parlé de sa casquette. Il ne doit pas aimer qu'on la touche. Cet écran. Il y avait le même dans la salle de classe. Ça doit être le réfectoire ici. Vraiment semblable en tout point à une école. L'Académie des prodiges condamnés. Quel genre de lycée ça peut bien être? Quoi? J'étais en train de me motiver en hurlant le plus fort possible. Tu ne savais pas qu'en criant, on pouvait faire sauter les limites de son cerveau? C'est une technique utilisée par les athlètes professionnels avant une compétition. Et je me dois d'être prête à subir le moindre assaut à tout moment! Oui! Et de pouvoir me protéger grâce à ma technique de Neo Aikido. Hein? Est-ce que par hasard tu serais... Oui, c'est moi, Tenko Chabashira, l'aikidoka ultime. Ah oui? L'aikido, ça m'évoque plutôt un homme costaud, et pas une fille aussi jolie. Qui? Moi? Jolie? Ah, arrête! Mais non, voyons, je ne suis pas jolie. Quand je bois la paille... Je fais une tête horrible. Et le matin, au réveil... Ah bon? Je te trouve mignonne, moi. Pas vrai, Shuichi? Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es toute rouge. Je me fiche pas mal qu'un mâle me flatte comme ça, d'abord. Un mâle? Tu veux dire un garçon? Tu as du mal avec les garçons, peut-être? Du mal? C'est peu dire. Dès qu'ils m'effleurent, je ne peux me retenir de les mettre à terre et de les étouffer. En effet, ça dépasse l'entendement. Mais sinon, tu peux nous en dire un peu plus sur le Neo Aikido? C'est une technique de combat que mon maître et moi avons inventée. Je vois. Du fait sur mesure, donc. Yeah!
elle me perce les tympans quand même. Shuichi, tu as du scotch sur toi ? Je vois ce que tu veux dire, mais ce n'est pas une solution raisonnable. Ah, nous sommes tous enfermés ici. Oui, ça en a tout l'air. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur, nous allons vite trouver une solution pour sortir. N'aie pas peur, trouve juste cette situation pénible, c'est tout. Je suis pas du genre à paniquer pour si peu. Après tout, je suis une sorcière. Une sorcière ? Oui, c'est vrai, je vous l'avais pas encore dit. Essayez de ne pas tomber à la renverse. Je suis la sorcière ultime, Himiko Yumeno. Mais sinon, mon titre officiel, c'est magicienne ultime. Ah, une magicienne. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt ? Je me disais bien aussi. Les sorcières, ça n'existe pas. Si, la sorcellerie existe. Quoi ? La preuve, je suis une sorcière. Une magicienne, non ? Officiellement, oui. Je me fais passer pour une magicienne, mais en vrai, je suis une sorcière. Tu te fais passer pour une magicienne ? J'imagine que vous ne connaissez pas l'association Magicienne's Castle. Elle rassemble tous les amoureux de la magie du monde entier. Et j'ai déjà été sélectionnée parmi eux en tant que magicienne de l'année. Ah oui ? Impressionnant ? Oui, mais ce n'est qu'une façade. Ils m'ont obligée à me faire passer pour une prestidigitatrice afin de cacher mes pouvoirs. C'est comme ça que je suis devenue célèbre. Je participe maintenant à de nombreux shows. Alors que je suis pas une magicienne, je suis une sorcière, si, je vous jure. Allons, ne sois pas aussi triste pour ça. Vas-y, montre-nous tes pouvoirs de sorcellerie et nous te croirons. Ah, mais oui. Et si tu pouvais en profiter pour nous sortir de là avec ta magie, en nous renvoyant d'un coup de baguette là où nous étions avant d'arriver ici. La sorcellerie a aussi ses limites. Ah oui, d'accord. Dans ce cas, qu'est-ce que tu es capable de faire ? Pour trouver une carte mélangée dans un paquet, faire sortir des lapins de chapeau. Et en me concentrant très fort, trancher un corps humain en deux. De l'illusion au sens premier. Je le trouve vraiment grand pour un simple écran. C'est une notice sur l'utilisation du réfectoire. L'horaire de nuit ? Comment ça ? Ça veut dire que c'est fermé la nuit ? Cette porte est bloquée par des barbelés. Les fenêtres de cette classe aussi. Toutes les sorties seraient-elles aussi fermées de la même façon ? Tous les équipements scolaires de base y sont. Et beaucoup de mauvaises herbes ici aussi. C'est la preuve que cet endroit n'a pas été utilisé pendant très longtemps. Il y a écrit passe. À quoi ça sert, à ton avis ? Je n'en sais rien. Il y a une cavité aussi au milieu. Je ne comprends décidément rien à ce qui nous entoure. J'ai bien peur que cette porte soit condamnée. Cherchons plutôt un autre endroit. D'accord. Un gymnase ? Tiens, cette porte est fermée. On ne peut pas rentrer dans le gymnase.
qu'il t'arrive, Shuichi ? J'ai eu un sentiment étrange. Un sentiment étrange ? Oui. Comme un air de déjà-vu. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Nous sommes peut-être bien mêlés à une affaire qui dépasse totalement notre imagination. Rien d'étonnant que tu penses cela, après tout ce qu'on vient de vivre. Mais ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Nous sommes au total 16 camarades de classe avec le titre de lycéen ultime. Nous devrions pouvoir nous sortir de n'importe quelle situation en nous serrant les coudes. Des camarades. Ce symbole, ce sont sûrement les toilettes pour filles. Shuichi, tu m'attends une seconde ? Ah, d'accord. Ne fais pas cette tête ! Je vais juste vérifier s'il n'y a rien de louche à l'intérieur. C'est tout ? Désolé. Rien à signaler pour ces toilettes, si ce n'est qu'elles sont envahies d'herbe. Ce symbole, j'imagine que ce sont les toilettes pour garçons. Je ne vais quand même pas y entrer. Tu veux que j'aille jeter un œil ? Hein ? Non, c'est bon, pas besoin ! Rien ne me surprendrait dans un endroit pareil. Attends une seconde. Shuichi ouvrit alors la porte et rentra à l'intérieur des toilettes. Les toilettes, tout ce qu'il a de plus normal. Rien ni personne à signaler. D'accord. Il m'a prise par surprise, là. Sans doute son instinct de détective. Arrêtez ! Ne m'approchez pas plus ! Un garçon en blanc est en train de courir après un autre garçon habillé bizarrement. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Stoppez vos sarcasmes de suite ! Et ne m'approchez pas ! Allez, reviens ou quoi ? Laisse-moi juste te toucher un peu ! J'ai toujours adoré les robots ! Quoi ? Un robot ? Comment ? Vous aussi, vous prenez la discrimination envers les robots ? Je possède une fonction d'enregistreur vocal, et je pourrais très bien vous attaquer pour ça. Tu es vraiment un robot ? Un vrai de vrai ? Ne nous dis pas que tu es un allié des Monocoomers. Je vous interdis de me comparer à ces jouets. Je ne suis pas un simple robot. Je m'appelle Kibo. Kibo, le robot ultime. Le robot ultime ? Ah, tu triches, là ! Tu n'as pas le droit de te présenter comme ça sans prévenir ! À mon tour, d'accord ? Je t'en prie. Moi, c'est Kokichi Oma. Mon titre, le despote ultime. Un robot et un despote ? Je n'y comprends vraiment plus rien. Je viens de l'apprendre, mais vous saviez que la bouche de robot sent l'essence ? C'est absolument faux ! Et je fonctionne à l'électricité ! Nishishi, je plaisantais. Ce n'est pas drôle. Rien d'étonnant à ce qu'un robot ne comprenne pas l'humour. Je vous interdis de vous moquer de moi. J'ai déjà étudié l'histoire complète du Manzai. Je pense que tu ferais mieux d'en regarder à la télévision plutôt. De plus, j'ai certes l'apparence d'un robot, mais je suis également un lycéen. Un lycéen ? C'est l'éminent professeur de robotique Monsieur Ida qui m'a fabriqué. Mais il m'a incorporé une intelligence artificielle capable de se développer.
Je ne possédais certes que les facultés d'un enfant en bas âge lors de ma création, mais le professeur Ida m'a élevé comme si j'étais son propre fils. Il m'a éduqué comme un humain normal jusqu'à ce que je sois capable d'aller au lycée. Je vous suis semblable en tout point. Dis, t'as une quéquette ? Ne changez pas de sujet de conversation ! Ni si si ! C'est juste parce que ton histoire n'est pas très passionnante pour un robot. Mais rien qu'être un robot en fait déjà un lycéen ultime. Et toi, Kokichi, tu peux nous expliquer plus en détail ton titre de despot ultime ? Moi ? Je suis juste le leader d'une organisation secrète criminelle. Pardon ? Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis à la tête de plus de 10 000 hommes. Une organisation secrète criminelle ? Tu es sérieux ? Qui sait ? Après tout, je suis un menteur. Quoi ? Un menteur ? Oui, mais je suis vraiment le chef d'une organisation criminelle. Tu plaisantes ou non ? Mystère ! Comment s'appelle cette organisation ? Je ne peux pas le dire, elle est secrète. Plus de 10 000 membres ? C'est énorme ! Mais je n'ai aucune idée de son identité. Forcément, elle est secrète. Ça me semble louche ton histoire. Tu mens, n'est-ce pas ? Ne prêtons pas attention à lui. Il répète la même chose depuis tout à l'heure. Croyez-moi, c'est une personne bien plus louche que moi. Je te rappelle que toi, tu n'es pas une personne, mais juste un robot. Dommage. Ah, je t'ai fâché. Fulgure au point, peut-être ? Je n'en suis pas capable ! Ah bon ? Même pas drôle. Il est bizarre. On dirait un gamin en train d'embêter un de ses camarades de classe. Comment il peut être aussi insouciant dans une situation pareille ? Lui ? Un despote ? Un robot même pas capable de faire un fulgure au point ? Mais à quoi tu sers alors ? Cet écran est vraiment étrange. Jamais vu des comme ça dans une école normale. Des escaliers qui mènent à un sous-sol. Chouchi, on y va ? C'est peut-être dangereux. Nous ne savons rien de ce bâtiment. Allons-y prudemment. Chouchi, passe devant. Ah, c'est donc moi l'éclaireur. D'accord. Shuichi passa donc devant moi, pendant que je descendais les escaliers derrière lui. À première vue, pas de danger. On ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose de caché quelque part. Shuichi, je crois que tu te fais trop de soucis pour rien. Et moi que tu es un peu trop insouciante. Ah, peut-être bien. Bon, allons faire un tour dans ce sous-sol. Il y a peut-être une sortie, qui sait ? Bien sûr, soyons aussi prudents que possible. Oui. D'accord. Une odeur de livres s'engouffra dans mes narines lorsque j'ouvris la porte. Une bibliothèque ? Des livres de tous les côtés. Elle n'a pas l'air d'être tenue en ordre. Ah, si tu me dis ça, c'est que tu es quelqu'un de méticuleux et tatillon, pas vrai ? Non, non. Je me demandais juste qui pouvait bien venir ici avant. Comment ça, qui ça ? Je ne sais pas trop. Commençons par inspecter la pièce. Tu es une lycéenne ultime, toi aussi, n'est-ce pas ? Oui. Comment, c'est tout ? Elle n'est vraiment pas très bavarde. Ah, je m'appelle Kaede Akamatsu. J'ai le titre de pianiste ultime. Moi, c'est Shuichi Sayara. On me surnomme le détective ultime. Comment ça, on me surnomme ? C'est toi, le seul et l'unique détective ultime. Oui, c'est vrai. Et toi ? Maki Arukawa, nurse ultime. Ah oui ? Nurse ultime, donc. Ça t'étonne ? Je ne te donne pas l'impression d'aimer les enfants ? Comment ? Et tu as tout à fait raison, je ne les ai jamais appréciés plus que ça. Mais si tu es une nurse ultime, j'imagine que doivent t'aimer, n'est-ce pas ? C'est un mystère pour moi. Ils viennent se coller à moi sans que je leur demande rien. Je ne m'occupe même pas d'eux, et leur sourire, ce n'est pas mon fort non plus.
Mais les enfants ont un don pour discerner les personnes de confiance, tu sais? Est-ce que tu serais en réalité quelqu'un de très affectueux? Oui, ça doit être ça. Tu as fait le bon choix, crois-moi. Je n'ai rien choisi. Je n'ai jamais eu le choix. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de particulier. J'ai juste été élevée dans un orphelinat. J'y suis ensuite simplement restée travailler. C'est donc une orpheline. Sinon, tu n'aurais pas des informations sur ces monocoumers? Oui, comme par exemple sur la personne qui les manipule. Comment voulez-vous que je sache une chose pareille? Oui, c'est vrai. Il y a sûrement un rapport entre ces machines et notre situation actuelle. Toi, tu ne sais rien du tout? Je croyais que t'étais un détective. Quoi? S'il était de suite au courant de tout, ça ne serait pas un détective, mais Dieu en personne. Mais je me fiche pas mal de ces ours, d'abord. Je veux sortir d'ici, un point c'est tout. Tu penses vraiment pouvoir y arriver? J'ai bien peur que nous n'ayons pas affaire à de simples amateurs. Tu crois vraiment que nous allons pouvoir nous échapper d'ici sans le moindre souci? C'est pour cela que nous devons tous collaborer pour mettre fin à cette situation rapidement. Collaborer? Alors que nous ne nous connaissons même pas? Je crois que tu te fais de fausses idées. Nous quittâmes ma bibliothèque après le départ brusque de Maki. Pas vraiment aimable pour une nurse ultime. Ne dis pas ça, voyons. Toute une rangée de livres avec des titres incompréhensibles. Ce n'est pas du japonais. Je crois que ces livres ne sont pas faits pour moi. Des livres écrits en différentes langues sur cette étagère. Pas moyen de lire ce qu'il y a écrit. Je me demande quelle langue ça peut bien être. Un escabeau amovible pour atteindre les livres situés en hauteur. Un globe terrestre, plutôt chic. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Cette porte ne s'ouvre pas entièrement. Elle doit être coincée. Tant pis. Continuons à chercher ailleurs. On dirait une salle de jeu. Nous sommes pourtant dans une école. Qu'est-ce que fait une salle de jeu ici? Enfin, rien n'indique que c'est vraiment une école. Tu parles d'un endroit impossible d'en sortir. Et comme si on avait besoin de ce genre de divertissement. Tu penses vraiment qu'on est enfermé ici? Il n'y a pas de sortie? Ce n'est pas pour en trouver une que vous tournez en rond dans ce bâtiment. Je vous laisse trouver vous-même les réponses à vos questions. Oui, tu as raison. Mais pour une prison, je trouve qu'elle est plutôt cool, comparée à ce que j'ai connu. Comment? Tu es allé en prison? Tu n'es pas un lycéen ultime? C'est de l'histoire ancienne. Ryoma Oshii, celui qu'on appelait autrefois le tennisman ultime, n'est plus de ce monde. Je ne suis plus que l'ombre de ce que j'étais dans le passé. Ryoma Oshii? C'est toi? J'ai déjà vu ton nom dans les journaux. Un joueur de tennis réputé, même à l'étranger, et qui a exterminé seul un clan de la mafia. Comment? Seul contre la mafia? Oui. Il utilisait des balles de tennis en métal pour tuer ses criminels. Une technique de tennis mortelle? On peut rien te cacher. Et donc, qu'est-ce que tu penses d'une épave comme moi ayant abusé de ses dons pour tuer? Mais pourquoi tu as fait une chose pareille, en sachant que ça briserait ton futur? Parce que je n'avais plus besoin de ce futur. Comment? Non, rien. Je crois que j'en ai déjà trop dit. Un bon conseil, ne vous approchez pas d'un meurtrier dans mon genre. Je dis ça pour vous. Il nous tourna le dos après avoir prononcé ces paroles. Il y a des mauvaises herbes un peu partout ici aussi. Ces bornes ne doivent pas fonctionner.
On dirait que c'est fermé. Je me demande ce qu'il y a derrière. On reviendra vérifier plus tard. Cet endroit était fermé tout à l'heure. Les barreaux sont maintenant ouverts. Je me demande qui les a ouverts. Allons-y. Ah, c'est un hall d'entrée. Shuichi, c'est bien ça. C'est un hall d'entrée, n'est-ce pas? Oui, on dirait bien. Ce qui veut donc dire... que cette porte là-bas doit être la sortie. On va enfin pouvoir partir d'ici. Je ne sais pas si c'est bien prudent d'ouvrir cette porte. C'est peut-être un piège. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cela. J'ai déjà vérifié qu'elle était sans danger. Tu te demandes sûrement qui je suis. Bien, commençons par éclaircir ce point. Je m'appelle Korakiyo Shinguchi, autrement appelé l'anthropologue ultime. Un anthropologue? Tu n'as jamais entendu ce nom? Je peux te l'expliquer brièvement, si tu veux. Si tu insistes. C'est l'étude des croyances, légendes et autres contes de tous les peuples anciens. Notre vie au quotidien est remplie de coutumes à l'origine inconnue, n'est-ce pas? Par exemple, les cérémonies japonaises du Shichigo-san ou du Setsubun. En étudiant leurs racines, il devient possible de porter un nouveau regard sur notre société et de découvrir des réponses sur notre culture, nos croyances et notre façon de penser. Je crois que j'ai compris. Ou pas. Mais ça a l'air intéressant. Bien sûr. Observer la nature humaine est quelque chose de très jouissif. J'ai toujours été persuadé que l'être humain possédait en lui une beauté infinie. J'ai eu l'occasion d'observer tant de gens et tant d'endroits différents. Et je dois bien avouer que notre situation titille au plus haut point ma curiosité. J'adore la nature humaine. Ce garçon est aussi lugubre qu'il en donne l'impression. Mais il va nous suffire de passer cette porte pour enfin sortir d'ici, non? Je te laisse vérifier cela par toi-même. J'imagine déjà la splendeur de ton visage, frappé par la déception et le désespoir. La déception? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, allons-y. Oui. Je ne parviens cependant pas à avancer en direction de cette porte. Pour la simple raison que j'ai été terrorisée. Et si jamais... Ah, ça ne me ressemble pas. Je ne baisserai pas le regard devant la peur. Je vais de l'avant, un point c'est tout. Qu'a aidé? Rien. Allez, Shuichi, allons-y cette fois. Je repris mon souffle et me dirigeai cette fois d'un pas ferme vers la porte d'entrée. J'ouvris la porte et sortis pour découvrir au-dessus de nos têtes un magnifique ciel bleu, des rayons de soleil tièdes et réconfortants, un vent calme et reposant, ainsi que... des barrières? Un mur? Je ne me trompais malheureusement pas. Oui, des barrières, en forme de mur. Elles façonnaient une cage d'une hauteur gigantesque. Elles se dressaient face à nous, comme pour nous défier. Non, pas seulement face à nous, mais aussi derrière nous, partout. Elles encerclaient en sa totalité l'école dans laquelle nous nous trouvions. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes pris au piège ici! Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour! On dirait que ces barrières vous surprennent. Je comprends. Pareil pour moi. Quand je les ai vues, j'en ai perdu mes ongles et une dent. Juste par surprise! Tu as vu un peu leur taille? Elles méritent leur surnom de mur interminable. Mur interminable? Normalement, un mur, c'est fait pour délimiter deux endroits, non? Mais celui-là, il encercle dans sa totalité le monde dans lequel on se trouve. Qu'est-ce que tu racontes?
C'est vrai ça? Qu'est-ce que je raconte? Hein? Quelqu'un était en train de parler? Moi peut-être? Mais... Arrêtez de rire bêtement et expliquez-nous ce que tout ça veut dire! Vous expliquer? Ça ne servirait à rien. C'est comme ça, c'est tout. Vous ne pouvez pas sortir d'ici. Ce mur ne contient ni entrée, ni sortie. Et il est impossible de le détruire ou de le grimper. Enfin, pour des lycéens ultimes, l'escalader un peu, c'est jouable, mais pas plus. Ah bon? Ils peuvent l'escalader un peu. Je respirais alors un grand coup et hurlais de toutes mes forces pour atteindre l'autre côté. Alan! Au secours! Pitié! Au secours! Venez nous aider! Nous sommes enfermés derrière ce mur! Mes jubots me déchiraient la voix. Aucune réponse, aucune réaction. Arrête! Tu vas te faire mal à la gorge! Ouais! Et tu auras beau hurler tout ce que tu veux, personne ne t'entend de toute façon! Personne? Comment ça? Pourquoi est-ce que tu affirmes une chose pareille? Réponds-moi! Toi ou n'importe qui d'autre, répondez! Pourquoi? Sacré monodame, il n'ouvre son cœur à personne et il ouvre encore moins sa bouche! Oui! Et c'est sans doute parce que je l'ai trop harcelé autrefois dans la cour de récré! Essayons de bien nous entendre, d'accord? Toi, la ferme! Qu'on se déteste, c'est ce qui fait notre charme! Quoi? Qui êtes-vous donc? Et qu'est-ce que c'est que cette école? C'est à vous de chercher de trouver la réponse à cette question! Mais faites bien attention à vous durant vos recherches! Cette école est encore en travaux! En travaux? Je me retournais pour regarder à nouveau tout autour de moi. C'était vrai. On pouvait discerner ici et là des travaux en cours. J'ai d'ailleurs plutôt l'impression qu'elle est encore carrément en cours de construction. Cette école, elle n'est pas encore terminée? Je crois plutôt qu'elle est désaffectée et qu'ils sont en train de la restaurer. Tout ça ne devrait plus prendre trop de temps. Nos Exisals travaillent dessus d'arrache-pied. Les Exisals? Ces machines? Ce sont en fait d'anciens voyous reconvertis et ils doivent nourrir leur famille. Tu es sûr que c'était dans le scénario, ça? Avec bien sûr une peluche attachée au rétro et de la peau de tigre sur le volant. Ouah, c'est bon, moi j'en peux plus. Je me barre. À plus. Ils sont partis. Mais ce ne sont pas ces ours qui m'inquiètent le plus. Est-ce que ce qu'ils viennent de nous raconter est vrai? Il est vraiment impossible de sortir d'ici, de passer par-dessus ce mur. Personne pour venir nous sauver? Je ne dois pas baisser les bras! Je me donnais alors une bonne claque sur la figure avec les deux mains. Shuichi, allons voir s'il n'y a pas un trou quelque part! Je lui frappais la tête avec la paume de ma main pour le sortir de sa torpeur. Aïe! Shuichi, nous ne devons pas croire que tout est fini à cause d'un simple mur. Nous sommes bien passés par quelque part pour rentrer ici, il y a forcément une sortie. Même si pour l'heure c'est impossible, nous allons y arriver, tôt ou tard! En nous serrant les coudes, nous voulons tous sortir d'ici. Oui, tu as raison. Il est encore trop tôt pour perdre espoir. Oui, bien trop tôt. C'est pas possible, ça. Jamais vu un mur aussi gigantesque. Bien d'accord. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir devenir? Si jamais on n'arrive pas à sortir d'ici. Déjà en train de chouiner? Quoi? Si tu commences à te plaindre dès maintenant, tu n'as pas fini, crois-moi. Et qu'est-ce que c'est un simple mur face à l'immensité infinie de l'espace? Hein? L'espace? Ah, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Kaito Momota, le rugissant de l'espace, l'astronaute ultime, l'idole des enfants. Alors, astronaute, je vous dis, ça claque, non? Oui, enfin, je ne suis jamais allée dans l'espace, je ne peux pas trop dire. Forcément, il ne manquerait plus que n'importe quel amateur puisse s'y rendre. Pour tout dire, en fait, je suis en cours de formation, mais bon... Ah bon?
Tu es juste un apprenti alors. Mais je suis le premier de l'histoire à avoir réussi le concours d'astronaute à mon âge. Normalement, il faut être diplômé de la fac pour pouvoir passer ce concours. Ah bon? Mais comment tu as fait alors? J'avais un pote pirate informatique et hop là, j'ai juste fait trafiquer quelques données. Quoi? Mais c'est un délit! Ouais, je me suis aussitôt fait choper et croyez-moi, ça a chauffé pour moi. Mais au final, ça a amusé les organisateurs et j'ai été pris. Bon, aussi grâce à mes notes. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Faut bien savoir prendre des risques pour réaliser ses rêves, t'es pas d'accord? J'allais pas attendre 3 ou 4 ans, je veux partir dans l'espace de suite, moi! Tu as de l'énergie à revendre, on dirait. Je n'ai jamais renoncé à mon rêve, malgré les avis négatifs de mon entourage. Il ne faut jamais laisser les autres définir ses propres limites, c'est tout. Aucun mur n'est insurmontable, pas même celui qu'on a en face de nous, là! Tu as une idée pour sortir d'ici? Ce n'est pas ça, le problème! Si, c'est justement ça, le problème. Je crois que c'est un peu un fanfaron. Tout un tas de portes au centre d'un hall circulaire. Bon retour! Coucou, c'est l'ours! On est venu vous rendre une petite visite. Quoi? Encore? Comment ça une visite? Quoi? C'est chez vous là, non? Avec même une super salle de bain, pour y faire pipi à volonté. Mais sinon, vous avez aussi des toilettes. Sérieux? Et la grosse commission alors? Toi, tu avais l'intention de te servir de ta douche comme WC! Vous êtes vraiment dégoûtant! À bûche! Une salle de bain? Je ne comprends pas. Je crois qu'ils veulent dire qu'on va devoir dormir ici. Regarde, il y a 16 portes. Elles doivent sûrement correspondre à nos chambres, non? Une chambre? Pas besoin. Je n'ai pas l'intention de rester dormir ici. Une chambre? Pourquoi faire? Pas l'intention de rester dormir ici. Notre portrait est accroché sur chaque porte. Pour remplacer notre nom? Dans quel but ont été installées ces chambres? Je n'en ai pas la moindre idée. De quoi vous parlez? S'ils nous ont capturés pour une rançon, pas besoin de nous donner autant d'espace. De plus, loin d'être maltraités, nous bénéficions d'un très bon traitement. Oui, pour le moment, impossible de deviner la raison pour laquelle nous avons été enlevés. Et qui a bien pu nous enlever? Je n'y avais pas réfléchi jusqu'à présent. Dans quel but celui qui nous a regroupés ici fait-il tout cela? Pourquoi aurait-il rassemblé autant de lycéens intimes du pays tout entier? Mais je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Kirumi Tojo. Je suis la gouvernante ultime. Oh, la gouvernante ultime? Voilà une fonction plutôt originale. Ah, une seconde. Kirumi Tojo. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Une super lycéenne, supra-intelligente et douée en sport qui s'est mise à son compte. Elle s'est faite connaître en réalisant toutes les requêtes de travail qu'on lui adressait. Ah bon? Elle s'est réputée que ça? Toutes les requêtes? Tu exagères. On m'a déjà proposé de réduire un pays à néant, mais j'ai refusé. Rien que le fait qu'on t'ait demandé ça est tout bonnement incroyable. J'ai même entendu dire qu'elle avait déjà été engagée en tant que garde du corps de ministre. Non, pas en tant que garde du corps, simplement en tant que domestique. Mais le fait qu'on te demande ton aide prouve bien que tu es exceptionnelle. Mais sinon, que comptez-vous faire maintenant? Ce qu'on compte faire? Bonne question. Et toi alors? Je n'ai aucun souhait personnel. Ma seule volonté en tant que gouvernante est d'obéir aux ordres que l'on me donne. Réfléchissez donc plutôt à ce que vous souhaitez que je fasse pour vous. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes, quoi qu'il puisse se passer. Elle fait passer son entourage avant elle? Ça alors.
Ce garçon est vraiment effrayant. Quelle carrure! C'est un molosse. Excuse-moi, je peux te parler? Quoi? Merci. Merci. Ah, pardon, je t'ai effrayé? Généralement, je fais peur aux gens et personne ne vient jamais me parler. Mais je suis un gentleman avant tout. C'est pour ça que je t'ai remercié. De rien. Il n'a pas l'air commode au premier abord, mais je crois que ce n'était qu'une impression. Ah oui, je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Ganta Gokuhara. Je suis un entomologiste ultime. Mon plus grand but dans la vie, c'est de devenir un vrai gentleman. Oh, tu t'appelles Ganta? Mignon comme prénom. Ah oui, merci. Mais c'est que tu es très gentil. Si j'avais su, je n'aurais pas eu peur de toi. Ah, je t'avais si peur que ça? Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser en disant ça. Ne t'en fais pas, c'est toujours pareil. J'ai l'habitude depuis que je suis tout petit. Tu effraies donc ton entourage depuis ton enfance? Oui, j'ai toujours terrorisé tous les enfants du voisinage à cause de ma carrure. Je jouais toujours tout seul. C'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour les insectes. Mais quand je rentre dans mon monde, j'oublie tout le reste. Je me suis déjà perdu dans une forêt sans le vouloir, en poursuivant des insectes. Eh bien dis-moi, on t'a vite retrouvé? Presque. Ça a pris 10 ans. 10 ans? Mais je me suis trouvé une nouvelle famille très gentille avec moi. Ah bon? Une chance que tu aies rencontré des gens accueillants alors. Ce n'étaient pas des gens, c'était des loups. Des loups? Oui, mais ils ont été très généreux avec moi. Grâce à eux, j'ai appris la langue des insectes et de tous les autres animaux de cette forêt. Et pour les remercier, je veux absolument devenir un parfait gentleman. Je ne sais pas si ça leur fera vraiment plaisir, mais bon, ne le contrarions pas. Je trouve tout de même étrange qu'avec toute cette verdure, il n'y ait pas d'insectes. Hein? Une seconde. Pas d'animaux, je veux bien, mais pas d'insectes? C'est étrange. Et même impensable qu'il n'y ait pas un seul insecte. Est-ce que par hasard, toi aussi tu aimes les insectes? C'est lequel ton préféré? Et pourquoi? Hein? Ce n'est pas vraiment le problème du moment. Tu les aimes pas, c'est ça? Quoi? J'ai compris, tu les détestes! Mais non, voyons, ils les adorent, pas vrai, Shuichi? Oui, bien sûr, du fond du cœur. Tant mieux alors, toutes les personnes qui aiment les insectes sont des gens gentils. Ouh. Je suis soulagée, j'ai bien cru qu'il allait te tuer. Pour être franche, j'ai un peu du mal avec les insectes, mais je vais le faire. Une statue de ninja? On dirait bien. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans un endroit pareil? Cet endroit est vraiment bizarre. Je le trouve vraiment grand pour un simple écran scolaire. Coucou, ça va? Moi, c'est Angie Yonaga. Je suis l'artiste ultime. Tu m'as l'air plutôt enjoué. Même beaucoup trop pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne sert à rien de voir les choses du mauvais côté. Il faut savoir profiter de la vie. C'est ce que me dit toujours Dieu. De Dieu? Oui, je suis capable d'entendre la voix du Dieu de mon île. Il est à mes côtés en permanence. Cette fille m'a l'air d'être axée religion. Mais dis-moi, quelle est ta spécialité? La peinture? Ou bien la sculpture peut-être? Les deux. Je dessine et je sculpte aussi. Mais je ne fais que confier mon corps à Dieu. C'est lui qui s'exprime au travers de mes mains. Tu ne trouves pas ça divinement ciel? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Tu pourras me montrer ce que tu fais? Bien sûr, mais je te demanderai de t'offrir en sacrifice pour lui alors. M'offrir en sacrifice? Un camion vient chercher les offrandes pour mon dieu tous les lundis et mercredis matin. Un peu comme le ramassage d'ordures donc. Mais rassure-toi, je n'aurai besoin que de quelques litres de ton sang, c'est tout. Bizarrement, ça ne me rassure pas. Excuse-moi, mais j'ai tendance à être un peu anémique. Ah bon? Et toi alors? Qui? Moi?
J'accepte aussi le sang d'homme pour mes offrandes. Ne t'en fais pas, ça me fait presque pas mal. Allez, viens. Arrête. Ne t'enfuis pas comme ça. Cette fille est vraiment excentrique. Une sonnerie de cloche. Kaede, regarde l'écran là-bas. On vous attend! Rendez-vous dans le gymnase! C'est enfin l'heure de la cérémonie d'ouverture! Pfiou, les préparatifs sont enfin terminés! Votre conversation est un peu à l'envers, là! Abuche! Le gymnase? Une cérémonie d'ouverture? Kaede, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que nous n'avons pas trop le choix. J'imagine que tout le monde va faire pareil. Oui, tout ça m'inquiète un peu, mais allons-y quand même. Un peu ? Pas seulement qu'un peu. Nous sommes 16, tout se complet donc. Ah, 16 lycéens ultimes réunis comme ça, jolie photo de famille. Profitons de ces instants de répit, ils pourraient bien être les derniers. J'ai personnellement arrêté de réfléchir. J'ai bien peur que cela ne serve à rien. Oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'espère que ce sera pas trop pénible. Pix. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Kimeno, tu ne posséderais pas des super-pouvoirs psychiques par hasard? Non, pas psychique. Magique. Formidable! Je voulais justement en intégrer dans ma technique de néo-aïkido. Dis-moi, comment tu as fait pour les avoir? Je suis trop fatiguée pour parler. Tout ennuie assez vite, n'est-ce pas? Restez bien tous sur vos gardes. Qui sait quel danger nous attend ici? Ne dis pas ça. La peur est en train de me paralyser. Ne vous en faites pas. Dieu veille sur nous et nous protège. C'est vrai. Si tu le dis alors, plus besoin de s'inquiéter. Vous êtes tous plus débiles les uns que les autres ou quoi? Vous en faites pas. Je suis là pour vous. Je vais gérer la situation. Pas de soucis. Le prochain ours en peluche qui passe dans le coin, je l'explose direct sans réfléchir. Tiens, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'entendez rien? Si, quelque chose qui ressemble à un bruit de moteur de robot dans un dessin animé. Mettez-vous à l'abri derrière moi! Qu'est-ce que c'est que ces machines? Oh, elles en jettent! Ce sont nos robots ultramobiles armés tueurs humanoïdes, les Exisal! Dixit le scénario! Ne jamais oublier le scénario! Très important! Ok, tu es qui vous voulez, mais commencez par les tons! Je passe en dernière! Emiko, enfuis-toi, vite! Pourquoi est-ce qu'ils s'inquiètent pour moi? Qui a dit tout à l'heure qu'il exposerait ses ours dès qu'ils feraient leur apparition ici? Arrête tes blagues! J'ai jamais dit ça! Calmez-vous, nous n'avons peut-être pas besoin de paniquer autant. S'ils avaient voulu nous tuer, ils l'auraient sans doute fait depuis longtemps. C'est en prononçant ces paroles que Rantaro s'approcha lentement de ces machines géantes.
Qu'est-ce que vous nous voulez, au juste ? Nous faire peur en nous montrant votre puissance, c'est ça ? En nous menaçant pour nous empêcher de nous rebeller ? Qu'est-ce que c'est ? T'as un petit malin, toi ! Ok, puisque c'est comme ça, je lâche le morceau ! Écoutez-moi bien tous ! Oh, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Vous êtes prêts ? Pour de vrai ? Ok ? Vous allez tous devoir vous entretuer ! Quoi ? Monodame ! Pourquoi tu l'as dit à ma place ? Une seconde. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Si j'ai bien entendu ! Vous allez tous vous entretuer ! Ah ! Et il recommence ! Ah ! Ah ! Tu veux jouer à ça ? Je vais t'exploser la tête avec mon exécutable ! Ce n'est pas le moment de vous disputer, voyons ! Exactement ! J'écrabouille le premier qui commence à faire n'importe quoi, compris ? Pourquoi tu en rajoutes encore une couche, toi aussi ? Puisque c'est comme ça, on va se mettre à quatre contre toi ! C'est ce que tu veux ? Pourquoi c'est moi la cible d'abord ? Ah, et puis zut ! Après tout, moi on supporte et plus on rit ! Tu veux te battre, hein ? Quoi ? Tu me cherches ? Hein ? C'est toi qui as commencé, hein ? Vous foutez tous ici, hein ? Ils sont sérieux, là ? Ne t'inquiète pas, Dieu nous protège avec sa bénédiction. Mais ils comptent intervenir quand, sinon ? Rester ici est trop dangereux. Nous risquons d'être pris dans leur bagarre. Ça suffit. Quoi ? Mes chers et tendres bambins, stoppez immédiatement cette dispute puérile. Cette fois ? Papa ? C'est toi, papa ? Papa ! Papa ! Où ça ? Où est mon papa, chéri ? Papa ? C'est à cet instant précis que les lumières du gymnase s'éteignirent toutes soudainement. C'est moi, le seul et unique dieu de ce nouveau monde, ainsi que le directeur de l'Académie des prodiges condamnés. C'est moi, Monokuma. Bonjour et enchanté de faire votre connaissance à tous. Ouais, c'est papa. Hell yeah, comme il en jette trop. Mon papa à moi, c'est le plus beau. Mes jolis bambins, vous êtes toujours aussi adorables à ce que je vois. Tellement que je vous pardonne d'avoir ruiné l'ambiance tragique de la situation. Et même si au final ce prologue est trop long, je ne vous en veux pas. Si le prologue du premier opus était trop court, c'est justement parce que vous n'étiez pas là. Papa, tu es fâché? Bien sûr que non. Vous êtes mes chers et tendres enfants. Ouah, il est en pétard, c'est clair. Mais il est tellement beau, même quand il est en colère. Sans doute parce que c'est le plus beau des beaux gosses de tout l'espace. Avec plein de versions différentes aussi. Super Monokuma 1, Super Monokuma 2. Puisque je vous dis que je ne suis pas fâché ! Papa s'est transformé en Super Monokuma God ! Il parvient à se transformer comme ça lorsque 6 Monokuma au cœur pur se ressemblent ! Ouais, ça c'est du scénario qui pète ! De quoi chambouler tout l'espace en un tournement ! Il en jette comme pas deux ! Il est prêt à se battre contre les dieux, comme ça. Je vous le répète, je ne suis pas en colère. Au contraire, je suis extrêmement fier de vous. Avec tous ces pseudo-stars à la télé, vous êtes bien au-dessus du lot, croyez-moi. Tu exagères un peu, non? Il y en a beaucoup qui ont réussi dans le domaine, quand même. Par contre, là, tout de suite, je vois pas qui. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas! Ah, je savais qu'il était pas content. Ouah, sacré papa. Les méthodes radicales, ça le connaît. Même s'il s'inspire un peu trop d'un magazine célèbre pour le coup. C'est toujours un plaisir de câliner mes chérubins. Pas moyen de m'en empêcher. Quand on commence à fabriquer des mascottes à tout va, généralement c'est mauvais signe. Mais avec vous, c'est tout l'inverse. Mes monocouvers à moi, tout mignon, tout plan. Mais qu'est-ce qui se passe ici ?
Un nouvel ours vient de faire son apparition. Il ne donne pas l'air d'être une simple peluche. Je le sens, oui, je le sens. Cet ours est l'incarnation même de la folie du désespoir. Je précise, je ne suis pas une peluche, je m'appelle Monokuma. Et je suis le directeur de cette Académie des prodiges condamnés. Le directeur? Je crois que c'est tout comme moi un robot avec une intelligence artificielle. Bien vu! Par contre, nos Exisales, c'est pas le cas. Ce sont juste des machines sans cervelle. Ce sont des robots ultramobiles armés tueurs que seuls les Monokumas peuvent conduire. Des robots tueurs armés. Cette histoire commence à prendre de l'ampleur. Mais ce n'est pas ça qui me tracasse le plus. Nous allons devoir nous entretuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. C'est juste que je commence à fatiguer à toujours répéter la même chose. Bien! Je vous ai regroupé ici entre lycéens ultimes pour que vous vous entretuiez! Que l'on s'entretue? Nous? Arrêtez vos plaisanteries! Et puis pourquoi devrions-nous faire une chose pareille? Quoi? Ça ne vous dit rien? Évidemment que non! Un vrai gentleman ne fait de mal à personne! Mais vous avez déjà fait un peu le tour de l'académie, n'est-ce pas? Vous avez dû vous rendre compte qu'il vous en est impossible de vous enfuir, et que ces robots humanoïdes armés seront toujours là pour vous faire obéir à mes ordres. Pour résumer la situation, je détiens entre mes mains votre droit de vie et de mort. Nous sommes donc obligés de nous conformer à ces ordres, si nous ne voulons pas mourir. Je refuse catégoriquement. Pourquoi devrais-je tuer mes camarades d'abord? Qui a dit que vous étiez des camarades? Vous n'êtes désormais plus des camarades, mais des adversaires, des ennemis. Des adversaires? Des ennemis? Nous? Sacré papa! Lui au moins, il sait se faire détester comme il faut. L'écouter comme ça sans rien faire, ça me stresse! Je vais aller cogner Monodame, tiens! Mais moi, je n'aime pas la violence, ni tout ce qui est corps. Ça me fait de la peine. Dis, papa, si on organisait un tournoi de Shifumi plutôt, qu'est-ce que t'en dis? Un jeu où personne ne meurt, c'est quoi l'intérêt? Ah, je retrouve bien là la gentillesse qui te caractérise. Tu es si mignonne! Tellement que j'ai envie de te manger. Oui, te manger toute crue! Quoi? Mon Fanny, je crois que tu ferais mieux de ranger ta gentillesse au placard. Tu vas continuer à parler pour ne rien dire encore longtemps? J'ai une question. Comment veux-tu qu'on se tue? Tu as l'intention de nous donner des armes? Quoi? Et qu'est-ce que tu lui demandes? Nous devons rassembler un maximum d'informations pour y voir plus clair. Des armes? Tu pensais vraiment à ce genre de méthode barbare? Non, non, non! La tuerie que je veux que vous exécutiez ici, dans cette académie, se doit d'être bien plus subtile et divertissante! Subtile et divertissante? Oui. Une tuerie orchestrée par un procès de classe. Un procès de classe? Ok! On s'occupe des explications suivantes! Un procès de classe est organisé chaque fois qu'un meurtre est commis parmi vous. Ce procès a pour but de déterminer le coupable, ainsi bien sûr que les innocents. Vous devrez, lors de ce procès, débattre entre vous pour trouver le coupable. Si, lors du vote final, la majorité réussit à désigner le bon coupable, ce dernier écope d'une punition à la hauteur de son méfait. Oh, quelle horreur! Rien qu'y penser, ça me donne la nausée. Le meurtrier subit donc un châtiment, et les autres reprennent leur vie en communauté. Mais attention, si jamais c'est un innocent qui est choisi lors du vote, alors seul le coupable aura la vie sauve, et tous les autres subiront une punition à sa place. Hell yeah! Voilà pour les règles du procès de classe. C'était parfait! Oui, ces explications étaient parfaites! Au point d'en avoir la libido toute retournée! Bref, un simple meurtre ne suffit pas. Il faut aussi surmonter le verdict du procès. Tuer sans se faire prendre et tromper tout le monde durant le procès. Exactement comme dans le monde extérieur. Tout à fait! Le monde extérieur est parfaitement huilé, point de vue cruauté. J'ai déjà ma petite idée sur le sujet, mais je pose tout de même la question. La punition dont tu parlais, de quoi s'agit-il? Pour faire bref, la peine de mort! La peine de mort? Comme dans le monde extérieur, qui dit crime dit châtiment.
Il fallait bien sûr une peine à la hauteur de cette tuerie organisée, cela va sans dire. Ah, je me demande à quoi ressemblent ces punitions. Tripes arrachées, cervelle éclatée, moi ça me fait bander. Quoi ? Mon Euclide, tu es sérieux ? Ouais, une gaule des familles ! Des tripes arrachées ? Cervelle éclatée ? Ah, Monophanie a encore vomi. Prends la gaule ! Hein ? Tu bandes sur des vomis ? Qu'est-ce que vous pouvez être mignon ! Il est fou ! Bon, les explications, ça va 5 minutes. Il est temps d'entamer cette nouvelle année scolaire sous le signe des meurtres ! Aucune restriction dans la méthode. Un bon coup de batte, un couteau peut-être. Un faible pour la strangulation, le poison. Par fusillade, noyade forcée, électrocution, écartèlement, torture, guili-guili. Vous avez le choix des armes, tuez comme bon vous semble. C'est pour cela qu'existe l'Académie des prodiges condamnés. 16 lycéens de génie, enfermés dans une arène et condamnés à s'entretuer. C'est ici que ça se passe, dans l'Académie des prodiges condamnés. Une nouvelle année scolaire de tuerie. On se croirait dans un jeu. Mais c'est notre propre vie qui est en jeu. Un jeu de fou. Mais ça a l'air plutôt amusant, non ? Quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez tous ? Voilà ce que c'est, les mâles. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? Plus qu'une plaisanterie. J'avais l'impression que tout ça n'était qu'une fiction. Un peu comme si j'étais en train de regarder un film devant mon écran de télévision. Je ne parvenais pas à rattacher à la réalité ce qui était en train de nous arriver. Nous allons devoir nous entretuer ? Jamais de la vie. Je refuse. Je ne suis pas en train de vous demander votre avis. C'est un ordre. Votre existence à tous n'est justifiée que par votre présence ici. Comment ? Bien ! À vous d'exploiter au mieux vos talents et de vous tuer dans la joie et la bonne humeur ! Attends ! Peu importe ce que tu peux nous dire, nous ne nous exécuterons pas. Jamais nous participerons à cette mascarade de meurtre organisé. Ne compte pas sur nous pour t'obéir. Ah ! Kaede, je ne crois pas que ce soit le bon moment pour le contrarier. Mais non. Tu ne veux pas participer. Tu es libre de me le signaler, pas de soucis. J'adore voir les plus récalcitrants se couvrir les mains de sang avant tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes ? Oui ! Au final, tout le monde se prend au jeu. Au jeu sanglant de cette joyeuse tuerie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus excitant dans la vie, voilà tout ! Et en tant que directeur, c'est mon travail de vous en faire prendre conscience. Je restais debout, sans pouvoir bouger, en écoutant le rire hystérique de Monokuma. Tout me semblait tellement irréel et invraisemblable. Une école, encerclée par un mur gigantesque. 16 lycéens ultimes, enfermés dans ces murs. Une espèce d'ours et des robots-machines de guerre. Mais surtout, une tuerie organisée entre camarades de classe. Une histoire semblable en tout point à une fiction. Oui, mais une histoire vraie. Dont nous étions les personnages principaux sans le vouloir.